Bonjour tout le monde, bienvenue à la mission. Merci de venir vivre une expérience d'un SPI. L'expérience d'un SPI existe depuis à peu près 10 ans. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Une famille, des amis, des employés qui travaillent ensemble. Tout le monde. Tout le monde qui veut venir sont bienvenus. Il y en a un qui va donner des desserts de ce bar ici. Il va en avoir un sur le café, puis ça va m'en prendre pour les tables. Le menu de ce soir, ça va être des pâtes au beurre et au persil. Ce que vous faites, c'est que vous réunissez une douzaine de personnes. Vous arrivez à la mission, on vous explique un peu qu'est-ce que la mission fait et en même temps, on vous explique aussi un peu c'est quoi l'itinérance. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Moi, je suis un très grand habitué d'ici, donc j'ai pas connu grand-chose d'autre qu'ici. Donc, pour moi, c'est chez moi. Je me sens chez moi. On accueille des gens sans abri, des hommes et femmes sans abri à Montréal, mais aussi il y a des personnes âgées, des étudiants, des personnes qui travaillent, qui ont la misère à boucler à la fin du mois et ont besoin d'un repas chaud, tout simplement. Et la mission a offert ça depuis plus que 125 ans. Bonjour, un petit café? Et voici. C'est drôle, mais il y a comme une espèce d'entraide ici. Les gens qui sont dans le besoin, on dirait que c'est plus facile entre nous de s'entraider. Salut Charles. Ah, salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça ira mieux, mais pas grave. Il faut prendre du bon côté, ouais. Ah oui. Une chance qu'il y a ici, honnêtement, parce que je serais carrément dans la rue. Les gens, quand ils quittent après l'expérience d'un souper, ben, je pense qu'ils ont une meilleure compréhension de l'itinérance et ils sont vraiment touchés comment que un sourire peut avoir un impact sur une personne. On n'oublie jamais quand on fait une expérience d'un souper à la mission. Alors j'apprends à me tenir debout, puis j'apprends à me tenir debout, j'apprends à me tenir debout.